15 ans que le rallye du Chablais arpente les routes des cantons de Vaud et du Valais, 15 ans que l'équipe organisatrice travaille d'arrache-pied pour proposer un programme alléchant, autant pour les équipages que pour les spectateurs. Pour la 5e fois de sa carrière, Sébastien Loeb, pilote le plus titré de l'histoire du championnat du monde des rallyes et également parrain de l'épreuve, est présent sur les routes du rallye du Chablais. C'est toujours un plaisir pour moi de venir un petit peu ici rouler au Chablais. C'est vrai que c'est un rallye sympa qui est pas loin de chez moi, qui permet de venir un peu sur les rallyes suisses. Ça permet de partager des choses avec des copains. On est là en ouvreur, on se fait plaisir dans les spéciales et je pense que tout le monde passe un bon week-end et c'est l'essentiel. Cette édition anniversaire, le rallye du Chablais innove avec plusieurs nouveautés, dont la mise sur pied d'une épreuve d'essai le vendredi avant le départ officiel. Ce check-down, comme on l'appelle, a été parcouru par la quasi-totalité des équipages afin de mettre au point leur bolide. Et en plus, en première Suisse, ce check-down a été filmé. Une première Suisse donc, effectivement on a eu la chance de pouvoir téléviser le check-down, donc cette spéciale d'essai, 4 km avec de nombreuses caméras, grâce à une équipe de prod très compétente qui a permis d'avoir de nombreuses images tout au long de ce parcours. On a quasiment pu couvrir l'entier du parcours avec bien certains commentaires bien sûr, la présence notamment du multiple champion suisse Sébastien Caron en tant que consultant. C'était une grande première, on a testé ça et franchement je crois que le résultat est excellent. Mais en plus on a eu la chance d'avoir deux caméras embarquées, en l'occurrence dans la voiture de Cédric Althaus, le numéro 2, celui qui se bat pour la victoire, et également la voiture 0, la voiture ouvreuse de Sébastien Loeb. Une chance incroyable de pouvoir vivre en fait à l'intérieur et à l'extérieur. On a combiné les deux durant le check-down, mais aussi durant toute la course, la possibilité de suivre sur les réseaux sociaux et notamment la page Facebook du rallye qui a connu un énorme succès, les caméras embarquées de Sébastien Loeb au volant de cette fantastique Peugeot 306 Maxi. Place à la course avec la première journée où 6 spéciales sont au programme et les pilotes s'en sont donnés à cœur joie. Sébastien Loeb, le parrain de l'épreuve, a gratifié le rallye du Chablais de sa présence, mais ce n'était pas le seul champion du monde sur les routes chablaisiennes à l'occasion de ce 15e anniversaire. Harry Vatanen, champion 1981 et vainqueur de 4 Paris-Dakar, était aussi de la partie. En fait, il fallait être courageux, mais heureusement, je ne cours pas pour la vitesse maintenant. Alors, c'est relax pour moi. Et 3e spécial, très étroit, très technique. Non, et tout est au rendez-vous. La foule est sympa, il fait beau, on a bien mangé le déjeuner, tout va bien, la voiture marche bien. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? C'est pas pour vous flatter, mais tout était parfait. Cédric Althaus a été l'un des premiers leaders du rallye. Après une belle bagarre avec Mike Coppens, le pilote de Moudon a connu quelques soucis mécaniques. Explication. Les tours d'Aï, très longue spéciale, c'est assez sympa. Mike Coppens nous met 3 dixièmes sur 20 km, donc on voit que la bagarre est là et puis que ça va être super intéressant. Et ensuite, on se dit, dernière spéciale de la journée, on va un petit peu attaquer. Puis là, on s'est retrouvé avec des gros soucis où 3 fois la pédale de gaz est restée bloquée. On a failli sortir, on a fait un demi-tour. Et il restait environ 3-4 km après, mais c'était difficile d'oser rouler avec les gaz comme ça.
Je lâchais tout le long, j'avais peur que ça me revienne parce que ça fait vraiment peur. C'est la première fois en rallye que j'ai eu aussi peur que ça. Ça va être une grosse journée demain, ça va être une grosse bagarre, mais ça va être difficile de reprendre ces 17 secondes, mais on va tout faire pour. En tout cas, maintenant, c'est sûr qu'il faut attaquer. Pour que la course puisse avoir lieu, de nombreuses personnes travaillent sur le terrain avant et après le passage des bolides, à l'image de l'équipe chargée des fermetures de route. Notre mission sur Ablais, comme barrage lourd, c'est d'aller faire des preuves spéciales avec des barrières, avec les moyens plus ou moins lourds et des panneaux de sens interdit, interdiction générale de circuler ou fin de route. C'est pour éviter que les gens qui viennent voir les rallyes passent par ces petites routes et arrivent à des endroits où il n'y a pas de commissaire, sécurité, et que tout d'un coup ils sont à l'envers sur une spéciale. En moyenne, sur une spéciale, on a entre 15 et 20 barrières à poser qui ne sont pas nécessairement au bord de la spéciale. Elles peuvent être à 1-2 km de la spéciale pour fermer ces routes-là. Le samedi matin, le rallye du Chablais passe par la région dans du midi avec deux spéciales au programme, dont le désormais fameux show sur la place du téléphérique de Champéry. Autre innovation cette année, c'est la création d'une nouvelle catégorie, le Green Motion Electro Rally. Green Motion et le Rally du Chablais, c'est deux mondes qui s'opposent un petit peu. Nous, on a une démarche écologique. Le Rally du Chablais, c'est du sport automobile. Mais on s'est bien compris, Eric et moi, dès le début, et on a eu l'idée ensemble de faire cet Electro Rally. C'est un rallye de régularité. Le but est l'optimisation de la consommation. Hein. Le gagnant sera celui qui a le mieux géré sa batterie. Notre but, justement, c'est qu'au fil et à mesure de ces prochaines éditions de l'Electro Rally du Chablais, ben, c'est de les convertir, de leur montrer qu'une voiture qui ne fait pas de bruit, qui n'aimait pas, je pense qu'elle est tout autant amusante, donc c'est un de nos buts justement. Voilà. Les concurrents, ce sont des personnes un petit peu comme vous et moi, qui aiment la voiture. On a aussi quelques politiciens, politiciennes, ou des gens qui s'intéressent un petit peu à tout ce qui est véhicule électrique. Ils découvrent un petit peu ce que c'est le rallye en le vivant depuis l'intérieur. Ils verront les routes préparées avec les éléments de sécurité pour les concurrents qui roulent avec des voitures entre guillemets normales. Et je pense que ce sera intéressant pour eux de découvrir ceci. Puis ils ont une petite compétition en régularité et aussi avec un indice de performance sur la consommation électrique. Encore 4 spéciales au programme du rallye du Chablais avant le dénouement final prévu samedi soir à Aigle.
Après de multiples rebondissements, ce sont finalement les époux Schneeberger, Steve et Isabelle, qui l'emportent au volant de leur Ford Fiesta R5. Je pense que c'est 30 ans qui me rattrapent, qui se réunissent, puis qui font une boule, et puis c'est ce rallye. C'est ces plein de fois où je me suis fait où j'ai dû galérer, où j'ai fait... Voilà, et puis après j'ai eu du plaisir avec l'historique, on a fait quelques titres, et puis je sais pas, ça s'est goupillé comme ça, je suis à plat quoi, je suis super heureux. Et puis je remercie le Rallye du Chablais, je remercie Jordan, voilà, bien, on a vu ce qu'il fait, Eric, c'est beau ce qu'il fait, c'est bien organisé, c'est bien fait. Et puis qu'ils remettent ça l'année prochaine, c'est tout. Et puis que tous mes amis sportifs puissent faire la même chose et puis revenir ici, se faire du plaisir. Voilà. Une 15e édition vraiment magnifique pour nous, un bilan vraiment très très bon. Donc je crois qu'il y a une grande satisfaction générale. C'est un gros travail pendant une année pour tout le monde. Et là, c'est vraiment notre récompense. On va voir un petit peu le développement qu'on peut faire pour 2019. L'idée, c'est de voir ce que ça va donner au niveau du Green Motion Electro Rally. On va essayer de poursuivre dans cette voie aussi, de faire cette catégorie supplémentaire d'énergie alternative, tout en gardant bien sûr les catégories traditionnelles. Remercier toute la direction de course, tous les centaines de bénévoles qui travaillent au rallye. C'est vraiment une grande équipe, une grande famille. Et c'est vraiment, on peut dire, une grande fierté de voir tout ce travail qui est fait et tout ce monde qui s'implique pour cette manifestation. Dans les autres catégories en jeu sur le rallye du Chablais, Thomas Schmidt remporte la manche du championnat suisse rallye junior avec sa Peugeot 208 R2. Olivier Courtois, quant à lui, est le vainqueur de cette étape du Clio R3T Alps Trophy. Et enfin, en catégorie historique, c'est Florian Gonon qui l'emporte pour la troisième fois de sa carrière.